La perte de cheveux vous dérange? Avez-vous déjà essayé plusieurs produits ou médicaments sans résultat appréciable? Alors cette vidéo est pour vous. Je suis Dr Albert Benaïm, directeur médical du Medispa Physimed. En ce qui a trait à la perte de cheveux, il existe deux technologies qui vous aident à recouvrir une certaine chevelure qui donne des résultats appréciables. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle la greffe capillaire, la greffe de cheveux. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la restauration capillaire. Deux technologies différentes qui s'adressent à deux types de patients différents. Alors, lorsqu'on parle de greffe de cheveux, on s'adresse à des patients qui sont soit chauves ou pratiquement chauves, donc qui ont perdu de façon assez substantielle beaucoup de cheveux. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on transplante un greffon de cheveux d'un endroit à un autre pour vous donner un résultat qui est quand même très intéressant. En ce qui a trait à la restauration capillaire, ça s'adresse à des patients qui ont une perte de cheveux mais qui ont encore des follicules qui sont visibles. Et dans le cadre de la restauration capillaire, ce n'est pas une chirurgie. L'objectif de la restauration capillaire, c'est de stimuler les follicules existants pour qu'ils sécrètent plus de cheveux et plus de cheveux qui sont plus fermes et plus corsés. Alors, au Medispa Physimed, nous pratiquons ce qu'on appelle la restauration capillaire et nous utilisons essentiellement deux technologies de façon conjointe qu'on appelle du PRP et du laser. Le PRP veut dire du plasma riche en plaquettes. Donc essentiellement, les plaquettes sanguines, donc ça, le plasma riche en plaquettes, c'est un concentré d'un peu de sang qu'on extrait de votre corps pour aller filtrer ce sang-là et aller extraire un concentré de plaquettes qu'on va injecter au niveau du scalp. La raison pour laquelle nous faisons ça, c'est que dans les plaquettes contiennent des granules qui, elles, contiennent des facteurs de croissance qui aident à stimuler les follicules à sécréter des nouveaux cheveux et des cheveux qui sont plus fermes et plus corsés. Alors, d'un côté, nous avons le PRP. De l'autre côté, nous utilisons un laser qui est spécifique aussi à la stimulation des follicules existants et qui stimule aussi la vascularisation du scalp. Donc, quand on utilise ces deux techniques en synergie, ces deux techniques travaillent en synergie pour vous donner des résultats qui sont très appréciables, tant bien chez l'homme que chez la femme. Et vous pouvez voir dans les exemples qui vont suivre une série de patients qui ont bénéficié de ces traitements et qui donnent vraiment des résultats qui ont été très, très appréciés par les patients. Donc, si vous souhaitez faire repousser vos cheveux et avoir une belle chevelure, venez nous consulter. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer, d'en faire une évaluation. Lorsque nous rencontrons les patients, on ne charge pas au Medispa Physimed pour la consultation initiale. Donc, ça nous fera vraiment plaisir de vous évaluer, de vous dresser un plan de traitement et en espérant qu'on puisse pouvoir vous aider.